Nouveau sur ma chaîne ou déjà abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur la petite clochette pour recevoir toutes les notifications. La vidéo vous plaît? Laissez un pouce bleu! Et bonjour à tous et à toutes, c'est Horse Panda et on se retrouve pour un nouvel épisode de TerraCube. Donc, en fait, au programme aujourd'hui, tout simplement, je vais faire un petit point sur la liste des modes parce que c'est sûr que c'est une question qui va être posée. Et je vais vous montrer un peu ce qu'on a fait depuis l'ouverture. Et voilà. Donc, pour commencer, je vais donc un peu vous parler des modes, dont un mode que bah, vous voyez que j'ai déjà activé, c'est le selfie mode. Donc, je vais juste m'afficher la liste des modes. Vous allez avoir sa petite mocheté. Voilà. Alors, voilà. Dans les modes, tout simplement, donc il y a Tree Capitators, donc ça veut dire que quand vous bûchez un arbre avec une hache, l'arbre va se défaire instantanément. Agricraft, Backpack, Bubbles, Bibliocraft, Bibliowoods, donc ça permet tout simplement en fait d'avoir les objets de Bibliocraft mais avec les bois de Biome Aplenty, donc prochain mode Biome Aplenty. On a Chisel, on a Custom NPC, Galactic Craft, on a Hats, donc les chapeaux, on a Inventory Pet, Iron Chest, Journey Map, Loot Bags, et nous avons Lovely Robot, donc pour ceux qui s'en souviennent. Je veux pas faire de conneries, plutôt, pas des... Voilà. Donc je descends tout en bas, voilà. Donc nous avons Malice is d'or, Minecraft comes alive, Morph, donc Neat, qui permet en fait de... La barre de vie au-dessus des mobs. Not enough item. Optifine. Palm Harvest Craft. Selfie mode. Mode des statues. Deconstruct. Vending block. Wayla. Witchery. Et World Edit. Mais bien sûr, on n'a pas le droit d'utiliser World Edit. Il faut tout qu'on fasse en créer. Donc voilà pour la liste des modes, si vous voulez absolument re-savoir, ben, je vous conseille juste d'aller en arrière dans la vidéo et tout. Donc c'est bon, on est parti les amis, donc hop, on est parti pour vous montrer donc, ce que j'ai fait. Donc vous allez vous demander, mais pourquoi tu fly horse? Alors je fly parce que j'ai le nuage pet qui est très très rare à trouver, donc voilà. C'est un peu le spawn avec les shaders. Voilà. Je trouve que c'est même magnifique. Je vais même hop, faire un screen. Ce sera la miniature du deuxième épisode. Donc je vais tout simplement donc vous montrer à peu près ce qu'il y a, ce qu'on a fait. Je peux pas vraiment vous montrer autre chose à part ça. Donc en gros, Miss et moi, on a commencé à miner ici, dans cette cache-là. Tout simplement. Je vais descendre les escaliers. Donc là, j'avais des petits coffres, en fait, je stockais. Et vous voyez que, tout simplement, j'ai de grosses salles. Et ça c'est parce que en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai un petit marteau comme ça de déconstruct. Et les marteaux de déconstruct, ben, je vais vous montrer un exemple dans ce mur. Ça casse tout ce qui est rocheux sur un rayon de 3x3 comme ça. Hop.
mais ça en fait je ne l'ai pas fait. Ma forge n'est en fait pas ici, en fait j'ai fait une forge beaucoup plus loin. J'ai dû en manger. Donc on va y aller. Moi j'y vais en volant, ça va beaucoup plus vite, mais vous voyez je suis en train d'installer des rails pour aller tout simplement. Donc tout ce tunnel en fait c'est moi qui l'a creusé avec le marteau. Et ce tunnel raccorde un peu plus loin en fait mon autre cache qui est très très proche en fait du biome où je vais construire mon projet. Et nous sommes donc arrivés à mon autre cache. Donc vous voyez je commence à creuser ici pour aussi de la cobble. Ici j'ai un escalier qui peut pas vraiment être monté si quelqu'un n'a pas un morph volant. Voilà. Et là comme vous voyez on arrive dans ici. Alors ici ça en fait des baies. Donc les baies quand elles sont prêtes on peut les récolter comme ça, voilà. C'est en fait une main que je veux. Hop. Voilà. Alors ça c'est en fait c'est des berries et ça permet d'obtenir des trucs de tes constructs qu'on peut smelter. Et ici en fait c'est tout simplement donc c'est ma smelterie qui permet donc vous voyez j'ai du fer, j'ai du tin, voilà, aluminium, tin. Je pense que j'avais même du copper à un moment, donc ça me permet aussi. Je peux couler ça en bloc, je peux couler ça en lingot. Et j'ai aussi quelques castes que j'ai faites surtout pour faire mes marteaux, parce que moi je dis qu'avec mon tool forge. En parlant, vous avez remarqué, mais j'ai looting 3, fortune 3 sur mon Iron Hammer. Alors ça se fait tout simplement en rajoutant du lapis lazuli puis de la redstone. Voilà. Vous voyez. J'ai des blocs de fer, ils sont transparents, c'est à cause des shaders. Donc voilà. Et tout simplement, bah, quand je monte, voilà. Quand je monte, bah, vous voyez, j'ai ici j'ai le début d'un carré. Je lag à cause des shaders, hein. Vous n'allez pas vous inquiéter, sans les shaders, je ne lag pas du tout. Et ce carré en fait ça délimite en fait donc les bords de mon schématique. Voilà tout simplement. Ici dans un coin j'ai tout simplement donc des fours. Donc vous voyez j'ai des coffres remplis de cobble. Et là je suis tout simplement en train de les transformer en stone. Donc je n'ai pas encore été chanceuse en ce qui est Silk Touch. J'ai encore rien lu, j'ai fait des enchantements et tout. Donc pour le moment je fais fondre de la stone, mais je commence à avoir pas mal de stone, donc je pense que éventuellement bientôt je vais pouvoir commencer la construction de l'île. Il faut juste une petite touch en fait pour avoir des blocs de grâce. Donc ça c'est en fait tout ce qu'il y a en fait de mon côté. Vraiment c'est tout ce que j'avais à vous montrer. J'ai peut-être encore une chose à vous montrer, mais à part ça vraiment ce qui a été fait hors spawn c'est tout ce que j'ai. Juste une précision pour les gens qui ne le savaient pas, en fait le gros château où on est en fait ça s'appelle Phéonixia. Je l'avais peut-être pas précisé, voilà. Et là en fait je vais tout simplement vous montrer la dernière chose que j'ai faite depuis l'ouverture. Et après je vais vous laisser sur quelques minutes que Miss Pandy a record pour vous. Et c'est sûr que si vous aimez le format, ben, n'hésitez pas à nous le dire, j'essaierai de le faire plus souvent. Donc ici c'est en fait l'hôtel des ventes, donc l'hôtel des ventes tout le monde a un petit stand. Donc ici par exemple ça c'est le stand de The Boon qui vend... des loot bags. Bryax qui bon pour le moment vend rien. Ça c'est la boutique de recyclage de cartes cobble, donc c'est la boutique de Knut and Kata. Et ça c'est en fait c'est ma boutique, donc
avec les shaders, c'est assez... ça, c'est en fait ma boutique. Et c'est la boutique donc de Orsemis, vente du moment, forge, déconstruct, agricraft, bois de biome aplanti. C'est écrit fermé pour le moment, comme c'est pas du tout vrai, en fait il est ouvert. Hop, voilà. En fait j'ai une petite porte ici. Donc par exemple je vends des trucs de déconstruct. Voilà, pour faire les smelteries, quelques petites choses d'agricraft, bon, après des petites conneries, et... Oh! Il y a quelqu'un qui m'a fait du don de cobble! Merci, je n'ai aucune idée c'est qui, n'a pas signé, mais je t'en remercie, la personne qui m'a fait un don de pierre, en fait, c'est... Oui, c'est une superbe idée et je t'en remercie beaucoup parce que ça va énormément m'aider. Donc voilà. Je veux que tu fermes la porte. Voilà. Donc c'est... Ben moi en fait c'est tout ce que j'avais à vous dire les amis. Et ma hache est super dans le chemin. Voilà, je l'ai virée. Moi c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cet épisode. Donc je vous laisse sur les quelques minutes de Miss Pandy. Donc bye bye les amis. Ok, ben là, moi, je voulais aller faire une plainte. Et où, là, le truc de plainte? Le truc de plainte. Non, ça, c'est l'hôtel des ventes. Le truc de plainte. Je pense que c'est la porte après. Pas des commerces, ok. Tout. C'est là? Non, ça, c'est pas sorti. Non, c'est là, il y a un coffre, puis il y a un dispenser. Dépôt des plaintes dans le coffre. Ok. Pioup. Ok. C'était quoi déjà ma plainte? Les PNJ me font perdre la plainte! Ah oui! Jody! Tes PNJ sont des mal élevés! Et nous... Alors, peut-être que je fais ça. Bon, désolé si c'est mal écrit. Il nous ferme la porte au nez. Et... tente de... faire une orgie. Avec la nonne. Avec la nonne. Bisous. Miss Pandy. PS. J'ai une petite preuve vidéo de l'orgie. Jody, qu'est-ce que tu fais, tes PNJ? Ils sont tous en train de sauter après la nonne! Ah, ben là, c'est sûr qu'elle met, là. En fait, là, non, c'est quelqu'un d'autre. Non, en fait, je sais pas c'est quoi qu'ils ont. Ils sont tous là. Ben, c'est ça, je me demande, là. Y a-t-il un zombie? Non. Mais je sais pas, ça, son viré au-dessus de capot, là. Son viré carrément au-dessus de capot, là. Mais non, sérieux, t'as plus. Je vais aller voir si. Y a-tu quelque chose, là? Là, y a plus de vitre. Ah non, ok, c'est normal. Y a rien. Tout le monde est ok, là? Vous arrêtez de faire votre orgie? Vous avez quelque chose en l'air? Vous allez voir, je vais me transformer en mouche, puis je vais aller voir, ok? Et...
Et y a rien en haut. Ah! J'ai dérapé. Pourtant, il n'y a rien. On continue à monter. Et il n'y a rien. Donc, je sais pas. Son bizarre. Non, mais c'est quoi ce chapeau? Mais qu'est-ce que tu crées, c'est que Minecraft sa tête. Non, j'ai pas besoin de faire d'une orgie avec vous, Madame Lannone. XXX. Fun. Tiens. Et voilà. Et c'était ça. Ciao, ciao. Salut tout le monde, et voici Miss Patty. Sur Terracube, en version mouche à feu. Attention, hein, quand il va pleuvoir, tu vas... Non, je vais pas mourir. Non, parce que j'ai déjà volé un mouche. J'ai déjà mouché lorsqu'il pleuvait et j'étais pas morte. T'es sûr? Oui. Pas sûr. Ben, je vais te le prouver, mais qu'il pleuve. Ben, là, il fait des étoiles, fait qu'il... Il pleut pas, fait qu'il y a des étoiles. Normalement. Quoi? Ça n'a pas de sens. Ah. Normalement, il pleut pas qu'il y ait des étoiles, ok? Normalement. Dans Minecraft, je pourrais pas dire, là, mais bon. C'est quoi ton chapeau? What the fuck? Attends, je le veux. Merci. Votre chapeau. C'est quoi le chapeau? Ah! Merde! On les voit pas! Quand t'es un mouche! C'est ben de la marde! Allô, sorcière! Ça me tente trop! Désolé pour ceux qui ont fait le saut! Ah! Enderman! Coucou, Enderman! Coco Enderman, je suis là, je t'ai embauché, là. Hey, reviens, je suis là. Allô. T'es con, t'es pogné dans un bloc. Tu peux laisser des enderpearls. Allô, les zombies. Au revoir, les zombies. Le garou. Je vais pas te voir. Allô, Croco. Fais un sourire, Croco! Aïe! Tu veux me bouffer, hein, Croco? T'as peu. Prends cette fille. Aïe, salut les Croco! C'est moi la bouche avec Croco! Fais un sourire, Croco! Fais un sourire! Fais un sourire! Ah, je t'ai manqué! Fais un sourire! Non, mais. Fais un sourire! Allez! Fais un sourire! Fais un sourire! Fais-moi sourire. Allez, souris. Tease. Hey, plus lentement le tease. 1, 2, 3. Tease. Va chier. Tease. Yay, je l'ai eu. Kuroko. Tease. Send. Maintenant, bye bye le croco. J'ai dit, bye bye le croco. Salut, mini croco. Ça fait mal les crocos quand ça fait ça. Ah, bah, est-ce que quelqu'un a besoin de peau de croco? Je veux de la viande. Et je vais avoir le... Ouais, c'est ça. J'ai la chimette. Wouh! Cowtaper. GG à moi-même. Me demandez pas c'est quoi cette chose. Je le sais pas. Alors, c'est quoi cette chose? Il y a un spawner en dessous. Il y a un spawner? Ok. Alors, m'a dit qu'il y a un spawner en dessous. Pas dans la table. Bon, ben, on va tout le défaire. Hein? Ouais, j'aime bien ça pour mon étable. Ah, d'accord, j'ai plus de pioche. C'est pas grave, j'en ai 9.
Ah oui, mais je t'en mouche. Ok, je vais mettre en mispendi. On va aller plus vite. Bon, ok, ce serait un spawner de quoi? À votre avis, ce serait quoi? Un spawner de zombie. Et si on le défait, on le défait si on le défait pas. On le défait si on le défait pas. On le défait. Ok. Ça donne l'exp. Ok, là il y avait un truc de cochon. Alors, en fait, Timon, il est où Non, Pumba. Je me suis trompé. Pumba, il est où Timon? Pumba, Pumba. Hey, je te parle. Aïe! Va chier, mon tabarnak! Pumba 2, il est où, Timon? Il est où, Timon? Bon, mange la colle. Non, mais... Qu'est-ce que... Va chier, je t'ai même pas touché! Je t'ai juste envoyé chier. Prends les pommes. Bon, mouche... Allons-y.